Bonjour, je m'appelle Aline, je suis responsable production chez Actia. Mon rôle est de contribuer à l'organisation et le suivi de la fabrication de nos produits. Nos principales missions sont d'optimiser les processus afin de garantir la qualité de nos produits, les délais de livraison. Je travaille chez Actia depuis un peu moins de 5 ans. J'ai été recrutée au poste de chargée d'ordonnancement avec la perspective d'évoluer au poste de responsable production. C'est concrétisé au bout de 4 ans, validé dernièrement par une VAE interne, donc une validation des acquis de l'expérience. Tous les jours, je suis en interaction avec les chefs d'équipe. On fait un point régulier sur l'avancement des productions, sur le changement des priorités, sur les aléas de production. J'ai aussi contact avec le chargé d'ordonnancement, planifier la production suite à des changements de délais clients, pour avoir des informations sur les délais fournisseurs. Je suis également en interaction avec le service industriel pour les mises à jour de plans, pour faire évoluer les produits. Également avec la qualité, pour l'amélioration de nos process, et également avec les techniciens tests. Aujourd'hui, je fais un métier qui me passionne. J'aime beaucoup le challenge. Je suis fière d'apporter ma pierre à l'édifice dans l'évolution du service. Depuis quelques années, depuis que je suis entrée, on était un atelier de 3 personnes et aujourd'hui, on est 20 personnes à l'atelier. Un beau progrès, beaucoup de challenges, beaucoup de choses à mettre en place et c'est quelque chose qui me plaît énormément. J'aime travailler chez Actia, l'environnement ici est bienveillant. Le management a des valeurs qui me correspondent et auxquelles j'adhère. On travaille en équipe, que ce soit avec différents services, on travaille en équipe aussi avec les collaborateurs de l'atelier. Nos conditions de travail qui sont aussi appréciables. Mon plus bel accomplissement est le poste que j'occupe aujourd'hui. Je suis fière d'avoir pu concilier ma passion professionnelle avec ma vie familiale. Le milieu industriel n'est pas réservé aux hommes. Pour ma part, dans toute ma carrière, je n'ai pas ressenti d'obstacle à ma progression dans ce milieu. Quand on a de l'ambition, je pense qu'on peut arriver à de grandes choses.